Hey yo les gens, c'est Draxurvy, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à commencer, à vous abonner, à partager, à mettre la cloche, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Alors aujourd'hui on se retrouve pour du Dying Light en vidéo. Alors petite vidéo sur sur Dying Light. On va se retrouver pour, comme vous le voyez, j'ai changé de décor pour ceux qui me suivent un peu en live. Je suis retourné dans le bidonville. Comme je vous l'avais dit, je vais vous faire donc une petite vidéo sur la zone de prison. Comme vous le voyez en haut à droite, c'est trouver le bateau prison. Donc c'est ça, hein, faut aller là-bas. Donc aller à la prison. Donc je vous explique un peu. Alors moi je l'avais déjà fait une fois il y a quelques temps. La prison est une zone assez compliquée, donc vous allez vite comprendre ce que c'est. Donc j'espère que vous allez bien, vous ferez le nécessaire pour cette chaîne et c'est parti. Donc au début c'est plutôt calme et vous allez vite comprendre que c'est pas une partie de plaisir. Donc j'ai mes armes de The Following, hein, pour ceux qui se diraient: oh ben t'as pas tes armes de The Following. Si si, je les ai. J'ai mes armes de The Following. J'ai mes armes en temps normal, donc mes armes légendaires. Donc je vais vous montrer un peu tout ça. Inventaire. Donc comme vous le voyez, j'ai le fusil de police camouflage, le pistolet de Rice, j'ai mon arbalète améliorée, j'ai ma hachette militaire unique et j'ai le grappin, j'ai le machin. Donc normalement, vous n'avez pas besoin de torche UV parce que tout compte fait, la torche UV, vous n'en aurez pas besoin parce qu'il n'y a pas de rapace dans la zone, même s'il fait nuit. Il n'y a pas vraiment de rapace. Il y en a peut-être un ou deux, je ne me rappelle plus, mais normalement, vous n'en avez pas besoin. Le mieux, c'est que vous ayez des shurikens et des grenades. Le maximum de kits, de pas mal de petits trucs. Donc comme vous le voyez, on arrive juste ici. Donc normalement c'est alors on n'a pas de carte, c'est un peu dommage. Mais je crois bien que c'est Azkaban. Non, pas Azkaban, c'est je sais plus, la prison américaine. Donc voilà. Donc comme vous le voyez, il y a pas mal de petits trucs. Alors vous ne pouvez rien récupérer, ça c'est un peu dommage parce que pour le moment il y a quoi, il y a zéro truc à récupérer. Et pour le moment, c'est safe. On va clairement. Je suis paumé dans le bois de tout ça, moi. Comment on fait déjà pour ouvrir? Ah oui. Ah oui, c'est le timer. Ah ya. On va rejoindre la porte d'entrée. Donc, vous avez un timer. C'est un peu plus short. Mais c'est vrai qu'on peut pas vraiment visiter ou quoi que ce soit. Ah oui, je me rappelais pas, voilà. Le mieux c'est d'utiliser des armes. Le truc c'est qu'avec l'appui, je pensais pas que ça serait chiant. Parce que le truc c'est qu'en fait ça devient flou quand on court. Et ça c'est chiant. Alors bien sûr, quand vous recommencez, vous arrivez là. Et le mieux c'est d'utiliser une arme. C'est chiant parce que le truc c'est qu'avec la pluie on voit que dalle. Alors pour le moment c'est que punaise, il va la prendre sa cartouche lui. On peut pas les loot, hein. C'est automatiquement vous passez dessus et vous récupérez ce qu'il y a à récupérer. Vous pouvez rien récupérer dans les caisses. Allez, c'est parti. Alors là, ça va devenir un peu plus short. Vous
Voilà, donc à chaque zone, en fait, vous avez un timer donc qui se finit. Mais c'est pas très compliqué à vrai dire. Attends, mais il y en a un derrière moi? C'est quoi cette connerie? Tu vas me rire? Hop, bien passer dessus. Voilà. Refaites le plein. Il s'est barré, lui. Pas, vraiment pas discret là. Alors pour le moment c'est que des bots, c'est que des comment dire. Ah merde, oui c'est vrai, la sortie est par là mais l'entrée est par là-bas. Faut suivre le chemin. C'est quoi, c'est des joueurs? Ah oui c'est des... Comme je vous l'ai dit, hein, faut se faire pas mal de bandages. Même si en cours de route, vous devez vous faire quelques kits, faites-le. Là, normalement, voilà, j'ai 11 kits. Bon, après, c'est vrai que quand vous venez de la zone de The Following, quand vous faites pas beaucoup, c'est vrai que moi, j'en avais récupéré pas mal d'alcool, de gaz, tout ça. Donc, c'est vrai que c'est plutôt pas mal, vu que c'est du 2 sur 2. Mais clairement, c'est plutôt cool. Il était aux toilettes, le gars. Il pissait. Et là, ça commence à devenir un peu plus intéressant, on va dire. Et là, c'est là que devient les zombies, normalement. Alors, vu que là, je suis un peu plus... Ah non, c'est encore des... Non, c'est quoi? Dis donc, la tache de sang, là, foutez-moi là ailleurs. Alors, on entend bien les zombies, hein, comme vous le voyez. Je pourrais presque y aller à l'arme. Alors vous ne pouvez pas passer, hein, faut obligatoirement... Ah putain, mais il est de l'autre côté aussi. Il y en a deux. Ouais, je pourrais changer mon grappin pour... pour ça. Il est où? Je peux crever. Dit comme ça, c'est un peu bizarre. Le truc, c'est que je les vois pas. Ah putain.
J'avais oublié qu'ils étaient chiants, hein. Parce que vous, vous les loupez, mais eux, ils te loupent pas. Alors, eux, c'est la visée auto, automatique à 100%. Alors bon, c'est plutôt cool parce que le truc, c'est que même si... Oh là là, il m'arrose l'autre celui qui est derrière, derrière les escaliers. Mais attends, mais... Je les vois pas, il y en a, ils sont même pas marqués sur la map. Voilà, j'ai usé 3 balles pour en rien et le gars il a réussi à se barrer de l'autre côté. Voilà. Il y en a un qui est juste au-dessus. Putain! Il est où? Il y en a un qui est au-dessus. Dans le feu. Bon. Là, on a besoin du grappin. Alors là, par contre, attendez. Parce que j'ai usé toutes mes grenades. On va se refaire des greux. Cocktail Molotov, non. Bon, fait maison, c'est déjà pas mal. Des grenades fait maison. Vu qu'en plus, on en a 3 par 3. Shuriken, on en a déjà pas mal. Je préfère des cocktails. C'est dommage que les cocktails sont dans le gris, parce que le cocktail, il pourrait être pas mal. J'ai perdu tellement de temps. Non, non, non. Alors comme vous le voyez, je peux pas le looter, hein. C'est vraiment que du zombie. Alors, faut que je fasse gaffe, c'est vrai qu'il y a des explosifs. Je sais plus où il faut aller, je crois bien que j'ai pas la carte, ouais. C'est pas par là, donc il faut redescendre. Fermé. Fermé. On peut descendre par le trou. On va descendre par le trou, alors bien sûr, faut faire toujours attention. Sorti d'où toi? Pas par là. Ah oui, alors, pour ceux qui se disent, mais comment ça se fait qu'il y en a qui ont des seaux? Alors oui, parce que j'ai rajouté un pack, et bah, ça m'ajoute des zombies avec des seaux. Attention qu'il n'y en ait pas un qui vous spawn à la... qui vous pète à la gueule, parce qu'il y en a. Ah oui. Alors il y a aussi des zones comme ça. Alors bon, voilà, c'est quand vous connaissez vraiment la zone. Moi je connais à minimum la zone, mais c'est vrai que le facile ici, je crois bien que c'est comme un mode intermédiaire.
Ah non, j'ai rien dit. Ouais, alors c'est pour récupérer quoi? C'est pour récupérer quoi? Ouais. À quoi ça sert si on peut rien looter? Je croyais qu'on pouvait looter là dans la zone. Bah, le calendrier, on s'en fout du calendrier. Donc, toujours bien regarder. Alors vous pouvez aussi les esquiver, hein, bien sûr, vous pouvez bien tout bonnement les esquiver, mais après il y a des zones par exemple, si vous voulez visiter ou quoi que ce soit, ça peut être utile après, mais normalement vu qu'on peut rien looter. Je comprends pas pourquoi ils foutent des ports comme ça. Je sais plus si c'est parce qu'on peut revenir après et looter, je sais plus du tout. Ah oui, je m'en rappelle. Salut! Du ting et du juice. Oh la vache, mais il y en a combien de gros là? Alors c'est pas très... Aïe. Allez, lève-toi! Attendez, faut des bandages. Je pensais pas que le gros allait pouvoir me mettre une calotte comme ça, pas possible. J'aurais dû directement prendre l'arbalète. L'arbalète est tellement puissante que je peux leur mettre directement un machin direct. Mais là, c'est vrai que là. Alors, c'est un bouffe kit, hein, ces zones-là. Quand vous avez un DLC, quand vous êtes pas très. Voilà. Voilà, ils savent que je suis là, de toute façon. Et là, c'est... Ouh la vache, j'avais pas voulu être à sa place. Mal. Ils sont où? Ils sont dans l'autre pièce? C'est pas possible qu'ils soient dans l'autre pièce. Ah si. Bonjour monsieur l'agent. C'est n'importe quoi. Il y a même des flics. Allez, hop.
Comme vous le voyez, alors ça monte pas trop, mais en fait ça se cumule et au fil du temps vous allez pouvoir avoir des bons niveaux. Ce que je comprends pas, c'est qu'en fait, il y a des zones comme celle-ci que vous ne pouvez rien récupérer, en fait. C'est dommage. Alors, est-ce que c'est pour éviter... Bizarre. Mais je sais plus s'il n'y a pas un mode facile, difficile. Bon bah lui s'il bouge. Ah merde. Et un peu d'escalade. Oh merde. Ne refaites jamais ce que je viens de faire. C'est après que je me suis dit, merde, s'il y a un explosif. Ah si, bordel de merde. Ah merde. On va déjà... virer l'autre qui est en train de me cracher dessus. Ah non, 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 non. Il y en a combien? Je l'ai vu, il est où? Alors là, c'est le gros souci, c'est qu'en fait, voilà, là, voilà, ça c'est l'emmerde pas possible. Le truc, c'est que c'est des crash, c'est aussi des crashers. Donc ceux-là sont très, 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 très chiants. C'est que tu les vois pas. On va faire un truc. Non, 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 c'est de la triche. J'en ai marre, ça. Le système fait qu'il passe à travers les murs, c'est casse-couille. Attendez, est-ce que j'ai pas des... Si, j'ai des fusées. Heureusement, j'ai quelques fusées, mais... Ah non, j'en ai qu'une. Comment je pourrais faire? Est-ce que je peux faire des... Mince. Fusée éclairante, ça sera déjà pas mal. Ah, il est mort. Il est horrible. Putain, c'est short. Le truc, c'est que si je savais où il serait... Putain, l'explosion. Ah non. Putain, ils foutent des claques en plus. C'est délirant, ça. Je me rappelais plus qu'il y avait des... Ceux-là, c'est les pires en plus. Mais je crois bien qu'en fait, vu que je suis allé sur Dying Light, The Following,
En fait, ils ont pris les rapaces de The Following, en fait. Donc, ils sont beaucoup plus résistants, beaucoup plus chiants. Et ouais, c'est... J'ai horreur quand ils font ça. Le truc, c'est qu'en fait, je pense que vu qu'ils forcent, ils sont obligatoirement obligés de passer. Alors, apparemment, il n'y en a plus. Apparemment. Non, il n'y a plus de... C'est plus que des rapaces, c'est plus que des... Il y en avait encore un. Je l'ai pas vu. Le truc, c'est qu'ils te mettent deux claques et vous êtes mort, quoi. Ceux-là, c'est soit vous arrivez à les esquiver ou quoi que ce soit, mais c'est short, quoi. C'est chiant. Ne me refaites plus jamais ça, quoi. C'est un gros délire, c'est du gros n'importe quoi, ceux-là. Et ceux-là, je les ai vraiment pas en peinture. Ça fait toujours un peu d'XP. Bon, c'est un peu dommage parce qu'on peut pas les looter, mais désolé pour le pour si j'ai crié ou quoi, mais là ouais, c'était le truc, c'est que là vu que c'est du difficile à chaque fois, encore je sais même pas si, alors ça serait marrant parce que le truc, c'est que vous arrivez devant la porte, bon ça va, je peux faire assez de crochets, mais voilà, c'est du difficile, mais t'as l'impression que c'est du hardcore, quoi. Ah merde, dites donc! Alors attendez. 5 minutes! Je voudrais faire un truc. Faire quelques crochets, parce que, alors c'est très très long, hein. Je sais pas si je le couperai au montage certains passages ou quoi que ce soit, mais c'est très très long, très 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 long. Alors non, très très long, il y en a pas pour une heure, mais quand vous êtes peu expérimenté et que vous y allez du premier coup, machin, la première fois, c'est très 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 chiant. Surtout que vous trouvez rien, c'est une zone où vous pouvez rien looter, parce que c'est, en fait, c'est à la fin, en fait c'est surtout à la fin que tout vient. Donc alors je sais pas si en fait ça vous fait des points en plus de crochet, de crocheter ou quoi que ce soit.
Donc moi je vous le conseille, bon, on verra de toute façon à la fin, mais ce que je vous conseille moi c'est de crocheter un minimum si vous allez à la prison. Pour ceux bien sûr et celles qui bien sûr prennent les DLC bien sûr, parce que il est que en DLC. Moi vu que j'ai le jeu complet, voilà. Mais c'est vrai que voilà, c'est très très compliqué. Bon, on a que fait 24 minutes, hein. On a que fait 24 minutes de jeu. Ça fait que 24 minutes qu'on est dans la prison, qu'on est passé le premier portail. Alors, je pense qu'ils en enlèvent aussi un peu. On peut rien faire. Là, il n'y a rien. Je pense qu'on va être obligé de retourner dehors. Hop. Ah, ah. Vous pouvez refermer derrière vous, de toute façon, il n'y a pas... Normalement, une fois que vous l'avez passé... Ah bah ouais, mais... Bien sûr. Ah, c'est même pas par là. Ok. C'est par où? Oh non. Merde, j'avais oublié ça. ouais. Je suis venu d'où en fait moi? Ah, je suis venu de là. Donc, bon. Bon, apparemment faut aller là. Apparemment faut aller là, hein. Merci Grappin, je vous le dis clairement, le Grappin est une source de gentillesse. Toi tu restes couché, merci. No signal. On se demande pourquoi, hein? Hein? On se demande pourquoi, avec tout le courant qu'il y a là-dedans. Oh la vache, salaud! Par où? Alors en même temps ça vous fait un peu la visite comme ça si vous voulez monter. Bizarre. Normalement quand tu vas dans un... J'ai explosé le record là. Je crois même que j'ai... J'avais oublié ça. Alors là... Comment dire, je suis vraiment pas chaud du tout. Y a un bulldozer, comme je les appelle, donc pour ceux qui me suivent un peu, c'est ceux qui balancent les cailloux. Et en plus de ça, vous avez des les rapaces qui... je crois même qu'il y a des rapaces ou pas. Donc on va s'équiper... je vais m'équiper de façon que je ne meure pas. Mais normalement, le bulldozer, comme je les appelle, normalement, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Parce que, normalement, c'est ceux qui... c'est pas les plus compliqués. Donc, bien sûr, faut s'occuper déjà de cela. Occupez-vous déjà des rapaces.
Ah mais je crois... Ah mais... Je crois bien que oui. Donc, maintenant que vous avez battu ceux-là, comme vous le voyez, il y a le gros. Alors là, moi je vous conseille, c'est quand vous venez là, c'est d'avoir l'arbalète améliorée. Clairement, c'est pas d'autre chose. C'est pas d'autre chose et le mieux, c'est d'avoir les machines explosives. Comme ça, ça les met en deux shots. Ça les met en deux shots et comme ça vous êtes tranquille. Et j'avais pas remarqué qu'il y avait ceux-là. La foudre que tu prends dans la tronche là, on va être mort. Alors, maintenant, le deuxième rigolo. Alors moi, je vous le déconseille, c'est de le faire sans sans arbalète parce que clairement, costaud lui. Le mieux c'est dans le casque, mais quand vous n'arrivez pas à le toucher dans le casque, c'est un peu chiant. Il a déjà une protection d'enlever. Oh, je tire à côté. Tu peux bien mourir ? Voilà. Tuer les derniers infectés. Il y a encore un gros. Après ça fait max XP et ça vous fait clairement grimper en, au niveau combat. Beaucoup plus en combat qu'en n'importe quoi. Allez hop. On découpe un peu tout ça. On fait de la charpie. Et normalement il y a encore un gros si je me trompe pas. Deux fois plus costaud, je crois. Et quand je vous dis deux fois plus costaud, c'est deux fois plus costaud. J'ai plus de trucs à impact. Merde. Va falloir courir. Le mieux c'est de viser dans le casque, mais vu qu'ils sont tout le temps en train de bouger, je sais pas si je vais tenter un truc.
Lui il est chiant parce que il est devant la porte en fait. Bon, faut dire que j'étais con. J'ai utilisé ce qu'il fallait pas. Et là, le truc, c'est que c'est très très chiant parce que là, si j'utilise, il faudra qu'il aille dans le feu en fait. Oh merde, il est à côté. Sont très très résistants ceux-là. Hein. Ah, un morceau de chair qui apparaît. Alors. Vu que monsieur ne bouge pas, il est bien là où il est. Je voudrais en fait l'exploser le casque parce que c'est la tête le plus. Voilà, très très chaud. Très 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 chaud. Alors, c'est où la sortie? Entrée dans l'armurerie. Ah oui! Oui, je me rappelle. Le grappin. On descend. Voilà, donc vous arrivez là. Vous avez le... Ah oui. Donc, là, c'est... Pour récupérer le maximum de trucs et à 10 vous barrez. Donc le mieux, le mieux moi que je vous conseille quand vous faites ça, allez-y à plusieurs. Normalement, on peut y aller en multi. Et c'est pour ça que les zones sont très grandes. Comme ça, il y en a qui peuvent ouvrir des caisses. Il y en a qui peuvent crocheter. Et quand vous y connaissez bien, à minimum, vous pouvez récupérer des armes. Il y a des armes dedans et ça, c'est cool. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est que le truc, c'est que c'est un timer qui est assez rapide. Et le truc, c'est que le timer n'est pas conçu pour le truc. Donc, comme vous le voyez, on a pu voir un peu le temps où on était, mais on arrive au niveau de la pièce d'entrée, là où il y a ceux qui nous attaquent. Donc comme vous le voyez, vous avez quand même un sac, vous avez quand même pas mal de petites choses, donc c'est plutôt cool. Vous pouvez retourner bien sûr au bidonville s'il veut bien me... voilà, faut vous mettre dans le machin. Vous allez au bidonville et à partir de là, bah voilà. Donc, pour la prochaine vidéo, parce qu'il y a d'autres zones, bien sûr, il y a d'autres trucs en mode DLC, où je vais vous montrer vite fait ce qui est. Alors, la vidéo fera 45 minutes, alors je pense qu'il y aura des trucs où je couperai au montage ou des trucs comme ça qui ne sera pas intéressant. Mais je pense que si je laisse complet, c'est que voilà. Mais si je laisse complet, je ne mettrai pas ma vidéo d'intro parce que sinon c'est trop long. 45 minutes, c'est déjà très très long. Donc voilà, donc on se retrouve là. Donc après, vous avez quelques DLC autres. Là par exemple, c'est restaurer 3 lunes, les hordes de Bozark et le tunnel Anne Santane. Bien sûr, c'est des DLC qui sont complètement disponibles. Hein. C'est des DLC qui peuvent être complètement disponibles.
Vous en avez donc un là, vous en avez un là. Vous avez donc le hors de focus. Normalement, il se alors lui, je crois bien qu'il se trouve. Faut aller dans le bidon, faut aller dans la ville. Donc dans la zone 0. Et c'est pareil pour les restaurants 3 lunes. C'est pareil, il faut aller normalement donc dans la ville. Donc le bidon, la zone 0. Donc je pense que pour la semaine prochaine, je vous ferai pareil une autre vidéo. Mais de l'autre côté, donc on ira en ville. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos sur ça. Alors je sais que le jeu est daté, mais vu que le 2 va sortir, je trouve que de retrouver et de retourner un peu sur l'ancien avant que le 2 sorte peut être utile. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre la cloche, à laisser un petit commentaire. Et comme vous le voyez, j'ai pas monté de niveau parce que normalement ce sont des trucs où clairement faut ouais, faut être assez, faut être bas niveau et clairement, normalement, les rapaces ne devraient pas être aussi compliqués. Mais c'est vrai que vu que là, il fait jamais nuit, il fait jamais jour, on gagne déjà 600, 600 par chaque tire-tête. Clairement, ça peut être utile quand vous êtes en plusieurs groupes, surtout que normalement, vous pouvez être à plusieurs pour ce mode-là. Donc, voilà. Passez une bonne journée. Alors bien sûr, les DLC doivent être en comparaison. Hein. Si l'autre n'a pas le DLC, il pourra pas vous rejoindre. Donc il faut qu'il ait le DLC. Alors je sais que ça peut être cher, mais si vous voulez vous éclater à déglinguer du zombie, à déglinguer du gros, je vous invite à y aller, à le prendre et clairement vous amuserez avec votre pote. Ça vous changera de certains zombies et de certains jeux. Et clairement, moi je m'éclate à mort sur ce jeu. Là, ce que j'essaye de faire avant tout, c'est d'essayer d'avoir un minimum niveau 25 au niveau survivant. Et après, je verrai. Passez une bonne soirée. Merci encore. Et on se dit à la prochaine, les gens. C'est Dark Survie. Peace.